essayer de revoir avec les gens qui étaient sur place le déroulement de ce cauchemar. Je peux vous dire qu'on peut être fier de nos forces d'intervention. On avait beaucoup de questions, on a eu beaucoup de réponses. Il y a une commission d'enquête qui est en cours. On apportera, en temps voulu, à la représentation nationale et à la France certaines réponses. Évidemment, c'est pas des scènes qu'on n'a jamais connues. Mais globalement, mon sentiment, c'est que nos services ont fonctionné comme il fallait. On avait des questions par rapport au temps qui s'était écoulé. Il n'y a pas eu plus, à partir du moment où les forces sont arrivées, il n'y a eu aucune nouvelle victime. Toutes les victimes ont été tuées au début avant que les forces arrivent, c'est-à-dire quand les terroristes étaient déchaînés. Mais à partir du moment où il y a eu un officier de police qui a tué de façon très courageuse un des trois terroristes, ça a changé un peu psychologiquement après. La façon d'agir des deux autres qui ont arrêté de tuer, arrêté de massacrer. On a posé évidemment énormément de questions. C'est la première fois que pour beaucoup d'eux, eux-mêmes étaient sur place. Donc il y avait quand même malgré tout une certaine émotion pour nous tous de voir l'endroit où centaines de nos compatriotes sont morts. Et voilà.